Ramadgan à Tel Aviv pour cette rencontre éliminatoire comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de 1994. L'équipe de France va donc affronter l'équipe d'Israël. Et si Israël, qui a déjà perdu 3 matchs, n'a plus grand espoir de se rendre aux États-Unis l'année prochaine, eh bien ce n'est pas le cas de l'équipe de France, Jean-Michel, mais pour cela, il faut gagner ici, où les Suédois et les Bulgares se sont déjà imposés. Les Suédois et les Bulgares qui sont en tête de ce groupe 6 qui compte 6 points. Et si la France gagne aujourd'hui, elle reviendra à la hauteur de ses deux principaux adversaires que sont la Bulgarie et la Suède. Donc ce n'est pas un match décisif, mais il est d'ores et déjà capital car, comme vous l'avez dit Thierry, ici, Bulgares et Suédois se sont imposés assez facilement. Les Suédois l'avaient emporté par 3-1 avec des buts de Limpa, Dalin et Ingesson, alors que la Bulgarie l'avait emporté 2-0 avec des buts de Siratov et de Penev. Une équipe de France, Thierry, qui va jouer tout en blanc car Israël a ses maillots et ses bas bleus, et une équipe de France qui voit des nouveaux sélectionnés, des nouveaux internationaux, deux Parisiens en l'occurrence, puisqu'il s'agit de Bernard Lama, on s'y attendait un petit peu, Gérard Rouillet l'avait annoncé pendant le stage, et de Paul Le Guin, il nous en avait dit également 2 mots lors de Téléfoot. Alors en ce qui concerne ce reportage, nous voulons saluer tout particulièrement les téléspectateurs de l'Afrique francophone. Je sais qu'ils sont très nombreux au Cameroun, au Bénin, République centrafricaine, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et puis ceux des départements et territoires d'outre-mer qui sont des grands amateurs de football et qui vont bien sûr suivre avec nous ce deuxième Israël-France de l'histoire. Il y a environ 5 ans, eh bien, l'équipe de France était venue ici. Elle était dirigée par Henri Michel à cette époque et elle avait obtenu un résultat nul, un but partout. L'équipe de France qui n'est pas toute seule, il y a eu beaucoup de supporters et venus du Liban. Il y a aussi 420 casques bleus avec des régiments d'infanterie qui viennent de Limoges, de Clermont-Ferrand, de Lyon, de Castelsarrasin, de Périgueux, de Poitiers, de Brive. Et ils ont fait beaucoup de bruit, vous les avez entendus, pendant l'hymne national. Ballon remis par Roche, Sauzet, Deschamps, Hillel, ballon toujours récupéré par les Français, Jean-Pierre Papin revenu, Franck Sauzet, ça joue un petit peu au billard pour l'instant, la balle atterrit à Basile Boli, sur le côté c'est Ginola, Deschamps, derrière Paul Laurent Blanc. Et attention, un coup de sifflet de l'arbitre que nous ne vous avions pas signalé, monsieur Wojcik. C'est un Polonais, assisté de messieurs Slabik et Urbansik, un trio d'arbitres polonais. Attard, contré par Eric Cantona. Dégagement de Arazi,
Alon Arazi. Attention, il y a deux Arazi dans l'équipe d'Israël. Attar à nouveau. Elle est contrée, mais elle reste au blanc. Une équipe de France qui essaie de se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Car évidemment, on sait que les joueurs israéliens ont des problèmes sur le plan physique. Mais comme le disait Gérard Houillet, nous n'allons pas attendre une heure pour commencer à jouer. Dès le début de la rencontre, les Blancs se sont installés. Attention à ce ballon qui traîne. Jean-Pierre Papin s'était précipité. Paul Le Guen. Récupération Sauzé. Tous les joueurs français pratiquement étaient dans le camp israélien. Vicente Lizarazu là-bas, un premier ballon pour Deschamps. Mais elle va filer en sortie de but cette balle. Environ 25 à 30 000 personnes ont pris place dans le stade de Ramat Gan de Tel Aviv et ils continuent à en arriver. La journée de travail vient à peine de se terminer à Tel Aviv. Et vous l'avez entendu, le président de la République d'Israël, M. Herzog, a tenu à assister à ce match. Deschamps, ballon dans les pieds de Le Guen, Sauzé, Papin, c'est à contre-pied, Le Guen à nouveau. Bien joué pour Cantona, qui a mis sur le côté pour David Ginola. Attaqué par trois joueurs bleus et qui obtient le premier corner. Premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Hier, c'était sur un corner que les espoirs français avaient marqué leur premier but. But bordelais, corner de Zinedine Zidane et but de Jean-Christophe Dugarry. Paul Le Guen. On est rentrant et deux. Oh non, il y avait un joueur sur la ligne qui a sauvé. Frappe de Papin, non, non, ça se présente mal. Enfin, c'est mal ou bien, disons. Non, non, mal, parce que ça aurait pu être un but. ...100% parisien, me semble-t-il. Car il me semble que c'est David Ginola qui avait repris ce corner de Paul Le Guen. Alors voilà un deuxième corner pour Paul Le Guen. Papin, ouh, frappe terrible, mais juste à côté du but de Ginsburg. Oui, j'ai dit que ça se présente mal parce que ces occasions de but, peut-être qu'on ne les retrouvera plus. Ou en tout cas, c'est vrai que d'entrée... Un peu à l'image de ce qu'avaient fait les Belges à Chypre. Marquant deux buts en 5 minutes grâce à Enzo Schifo. Et là, le tir de Jean-Pierre Papin a encore frôlé le montant gauche de Ginsburg. Et il faut les prendre à la gorge. Rosenthal. Qui était à la lutte avec Lizarazu. Et coup franc pour l'équipe de France. Laurent Blanc. Le Guen. Boli. Obligé de revenir, Boli. Et les Israéliens qui se dégagent par Banin. Sur le côté là-bas, Alphon qui a lancé Rosenthal. Premier ballon international de Bernard Lama. Oui, qu'il a joué au pied. Conséquence de la nouvelle règle et contre mené par Lizarazu. Ballon ça. Pareil du côté de Ginsburg. Obligé de dégager de l'intérieur du pied. Sur Lizarazu, Deschamps, Le Guen. Ah, si ça passait, c'était bon pour Sauzé, mais ça n'est pas passé. Ils ont du mal à sortir les joueurs de l'équipe d'Israël. Et coup franc en faveur du numéro 10, Reuven Attar. Alphon, Attar. Je change de pneu là, Thierry. Bali, vous avez une petite crevaison, oui. D'accord. Ben. Sauzé. En profondeur, c'est pour Ginola. Bien ça centre. David, allez. Il va avoir une deuxième chance. Ouh, ça rebondit bien. Devant. Il y avait Sauzé qui était là. Oui, vous parliez du match qui avait eu lieu ici il y a 5 ans, Thierry. Le stade et surtout la pelouse n'ont rien à voir. Ils sont de bien meilleure qualité. Et c'est un temps idéal pour le football.
aujourd'hui sur Tel Aviv. Hazan. Oh. Avec une faute de Alain Roche qui vaut un coup franc à l'équipe d'Israël. Attar. Lance en profondeur Arazi, l'autre Arazi, le numéro 9. Attar à nouveau. C'est le meneur de jeu, Attar, en l'absence de Zohar, qui est blessé, et de Ben Shimon, qui lui est suspendu. Notre grand absent, mais lui, c'est pour. Il est pratiquement à la retraite internationale. C'est Avi Cohen. Avi Cohen qui avait marqué le but il y a donc 5 ans. Et si mes souvenirs sont exacts, je crois que du côté français, il y a deux survivants, ce sont Cantona et Basile Boli. Ballon sorti par Avi Nimni. Hillel va faire la remise en jeu pour Israël. Voilà qui est fait. Nimni. C'est pas mal fait. Aux prises avec Boli. Il a fait peut-être un crochet de trop. Il s'était bien mis sur son pied gauche. Il a voulu insister. Basile qui joue sur le côté droit. Et une touche à refaire, monsieur l'arbitre. Car Basile avait décollé entièrement un pied. Il a échappé. Puisqu'il a donné coup franc à Laurent Blanc, qui a été joué, prolongé par Le Guen vers Alain Roche. Une pensée aussi pour la Guyane, où paraît-il l'activité s'est arrêtée. Et où notamment le papa du nouveau gardien de but de l'équipe de France, Bernard Lama, qui est docteur en chirurgie, a arrêté les consultations pendant 2 heures. Le temps de voir son fiston disputer sa première rencontre internationale. Bien joué de la part des Israéliens. Bon repli défensif de Ginola. Boli. Papin. Oui, bien fait de la tête remise pour Ginola. Il va pouvoir récupérer peut-être ce ballon avant qu'il ne sorte. Voilà qui est fait. Il n'a pas senti le tacle. Il n'a pas senti arriver le tacle de Klinger. Et touche pour l'équipe de France, pour Basile Boli. Le Guen. Ah oui, Le Guen qui était accroché, mais ballon tout de suite récupéré par Roche qui change de côté. Non, Bichotté est en jeu maintenant, oui. Allez, Bichotté. Il a eu tout faux, le pauvre Bichotté, car où c'était le centre, où c'était le tir, il a dû tellement hésiter dans sa tête, Bichotté, que... Bah, il n'a pas réussi ni l'un ni l'autre, ni le tir ni le centre, alors que Eric Cantona était seul au second poteau. Troisième corner pour l'équipe de France, Franck Sauzet. Corner à nouveau. Et ce sera le quatrième, concédé par Rosenthal. Et ça fait beaucoup d'occasions qui filent là, Thierry. Beaucoup, beaucoup. Alors que le match vient à peine de commencer, puisque l'on joue depuis 10 minutes seulement. Ici à Tel Aviv. Et corner rentrant, Paul Le Guen. Tout à l'heure, c'était Deschamps, me semble-t-il, qui avait mis la tête. Et là, elle est enlevée, cette balle. Voilà Deschamps à nouveau de la tête. Au rebond, Papin. Récupération, Le Guen. Ah, il vient devant le but. Ginola. Encore. Deuxième tentative. Ça va. Attar. Je ne me souviens pas avoir vu la Bulgarie et la Suède dominer comme le fait actuellement la France. Oui, mais pour l'instant, avec un tableau d'affichage vierge, Lizarazu. Cantona. Sauzé. Ah, il y a un contre, mais il faut aller au bout et il n'aura pas été favorable au bout. Bien, vas-y, le super ballon. Ginola. Ça va finir par payer. Frappe de Boli. Du ballon. C'est vrai que sur ces matchs que l'on avait vus à la télévision, on le voit se tirer en deux demi-volées et de Basile Boli, pied gauche. Les Suédois et les Bulgares s'en étaient vus pour arriver à leur fin. Mais attendons la fin pour avoir une plus juste impression
et une comparaison entre ces trois favoris de ce groupe 6, dont un restera à la maison puisqu'il n'y a que deux qualifiés évidemment. Laurent Blanc. Cantona, Deschamps, ah, il perd le ballon. Et contre Israélien avec une longue ouverture de Banin. Ah, super la passe en pivot là de Alain Roche. Bien Laurent Blanc. Laurent Blanc de justesse, Le Guen, Lissarazu. Il l'a vu, Eric Cantona tout seul. Eric Cantona à nouveau pour Papin. Ah, bonne sortie de Ginsburg. Superbe. Très belle sortie de Ginsburg parce que c'était bien joué entre Jean-Pierre Papin et Eric Cantona. Nimni, Rosenthal, poursuivi par Boli. Laurent Blanc bien coupé. Et bien relancé. Bousculé, Ginola, ce sera un coup franc. Faute de Yaakov Hillel, arrière gauche de cette équipe d'Israël. Joueur du Bétard de Jérusalem. Alors qu'on revoit Ginsburg enlever ce ballon du bout du, enfin, du point. Mais alors que Papin voulait le jouer du pied, il y aurait sans doute eu faute. Ah, bien fait là, de la part d'Eric Cantona. Remarquable technique. Bon centre. Ouh, oh, quel arrêt de Ginsburg. Je dis que c'est pas, ça se présente oh, mal. La Thierry. Bicyclette était fabuleuse. Oh, ça vient c'est... finir par passer, allez. Ah oui, mais c'est pas, c'est incroyable le nombre d'occasions de but. Il doit bien y avoir 4 ou 5 ans que l'équipe de France ne s'est pas procuré autant d'occasions en un quart d'heure. Allez, celle-là, elle était vraiment de très très haute tenue avec tout était beau, du contrôle de Cantona, le centre, la bicyclette. Il la recherche, notre ami réalisateur oui. Israélien. Avec Alphon de l'autre côté face à Lissarazu. Ballon récupéré par les Français au milieu de terrain. Deschamps. Cantona. Avec Papin qui s'engage. Un peu tard. Oui, il y a eu une main. Contrôle. Il avait surtout hors jeu, Thierry. Hein. Il avait signalé. Il avait les deux. C'est pour ça qu'il a donné un tout petit peu tard ce ballon, Eric Cantona. Attard. Là, faute de Deschamps, estime l'arbitre sur Banin et coup franc pour l'équipe d'Israël. Frappé par le numéro 10, Attar. Pas plus de deux maillots bleus dans la défense française. Hillel, Rosenthal. Derrière. Pour Klinger, change de côté, Alphon, Boli, on essaie de filer ce ballon et la touche comme cela sera française sur ce changement de côté de l'arrière latéral, Félix Alphon. Allez, plus vite, Basile, plus vite. À refaire. Cette fois-ci, elle est pour Israël et pour Hillel. Sauzé, Ginola. Jusqu'au bout, il va plus vite que tout le monde, là, David Ginola. Oui, Papin s'est démarqué au deuxième poteau. Ah oui, c'est ça. Là, trop tard encore. Ouais. La touche pour l'équipe de France. Dommage. Alors que plein centre, plein axe, il y avait un bon appel de balle de Jean-Pierre Papin. Le Guen, Cantona. Ah, il a tenté un ciseau retourné, mais sur le petit filet de Bonnie Ginsburg. Qui va pouvoir dégager alors que la marque est toujours de 0 à 0. Et que l'on joue la 17e minute de cette première période.
et que Jean-Michel vous faisait remarquer tout à l'heure le grand nombre d'occasions qu'ont eu les Français au cours de ce premier quart d'heure. Dégagement extérieur du pied, c'est original. Bolli, Deschamps, après un relais avec Sauzet, à nouveau Sauzet. Oh là, il n'y aura personne dans l'espace libre. Ginsburg. Avec Alphon. In. Là, il est prêt à contre-pied, mais il a pu du bout du pied prendre ce ballon. Rosenthal, lui, ne l'a pas bien utilisé. Blanc, Lissarazu. Directement en touche. Petite mésentente avec Jean-Pierre Papin. Alphon pour faire la remise en jeu. Tard, Papin. À gauche, à gauche, Cantona. À gauche, à gauche. Ah, il est passé 1, 2, à Papin qui a essayé de venir reprendre ce ballon. Ginola, frappe de Ginola à côté. Elle a été touchée. Elle a été touchée, corner. Au départ, il y avait encore un ballon qu'avait récupéré Jean-Pierre Papin sur cette talonnade de Paul Le Guen. Mais superbe tacle, vous avez vu, sans faute du défenseur israélien. Et elle doit être contrée au départ, cette balle de Ginola.